En France maintenant, au milieu d'un week-end politique pas particulièrement agité, la très médiatique Dominique Voynet a été officiellement désignée pour emmener les Verts dans la campagne présidentielle. Mais elle ne sera pas seule, les écologistes font merveille dans l'éparpillement. Agnès Molinier. La relève est assurée chez les Verts. Après les déchirements de l'été, le mouvement aura une candidate à l'élection présidentielle, Dominique Voynet. Au-delà de l'écologie, elle milite aussi sur le terrain social, comme ici, lors de la journée internationale contre la misère. Et même si elle ne veut pas être classée à gauche, elle avoue ne pas faire confiance à un candidat de droite au second tour de la présidentielle. J'ai les plus grandes raisons de douter de la volonté des candidats du camp conservateur de s'engager en faveur de l'arrêt définitif des essais nucléaires, de la semaine de 35 heures, ou de la réforme de la politique africaine de notre pays. Alors ne faisons pas de politique fiction, attendons de voir sur quel thème ils s'engagent et laissons-nous le temps de mener campagne. N'est-ce pas Brice? Oui, da. Il est bien loin ce temps des amours, celui des accords entre écologistes. Brice Lalonde sera lui aussi candidat à la présidentielle. Et Antoine Wächter, qui a quitté les Verts cet été, hésite. L'élu alsacien n'exclut pas d'entrer dans la course au nom des écologistes indépendants. Les écologistes ne se reconnaissent, ne peuvent se reconnaître ni dans la candidature qui est proposée par les Verts, ni dans celle de M. Lalonde. Et par conséquent, s'il ne devait y avoir aucune solution, l'écologie indépendante devrait tout de même être représentée. Pour Noël Mamère, qui a quitté Brice Lalonde pour Bernard Tapie aux européennes, il y a trop de candidats écologistes. Avec ça, on risque de permettre la possibilité qu'il y ait deux candidats de droite au deuxième tour. Moi, j'en veux pas de ce choix-là. Et puis, je sais qu'il y a un candidat qui est possible, à gauche, qui répond assez largement à un certain nombre des préoccupations des écologistes. C'est Jacques Delors. Voter socialiste, rester indépendant, le message des Verts reste brouillé. Dans ce contexte, difficile de penser que la présidentielle va leur permettre un nouveau départ.